Évalué pour la première fois dans ce domaine, le Togo vient d'être classé 33e pays au monde pour son rôle dans la promotion des énergies renouvelables. Selon le cabinet d'études Bloomberg, cette performance serait due à l'adoption d'une nouvelle loi en faveur du développement des énergies renouvelables qui réduit les droits d'importation, les tarifs douaniers et encourage l'entrée des capitaux étrangers. Nous avons lancé l'étude sur la stratégie d'électrification avec moins de coûts en fait. La première qui existait, donc le raccordement au réseau, donc on l'a maintenu. Mais nous avons identifié deux autres solutions qui consistent à faire des mini-grids et la troisième solution à électrifier à partir des kits individuels. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie nationale d'électrification, le gouvernement togolais a publié récemment une feuille de route pour atteindre un taux d'électrification de 50% en 2020 et de 100% en 2030 à partir d'une moyenne nationale de 37% en 2017. Nous n'avons pas électrifié tout le monde à partir du réseau, donc c'est à partir des énergies renouvelables, notamment les mini-grids et les kits individuels, parce que en grande partie aujourd'hui, nous alimentons la population, les industriels, à partir de l'énergie produite par des centrales thermiques. Nous sommes fixés comme objectif d'atteindre en 2030 avec le mix énergétique de 50%. En 10 ans, les réformes et les initiatives du gouvernement ont permis au pays d'atteindre un taux d'électrification de 40% contre 18% et de 2% à 8% en milieu rural. Une initiative qui va permettre de booster le secteur économique des zones bénéficiaires.